notre volonté à vos côtés de faire et la conviction que, non seulement ce faisant, nous défendons l'Ukraine, mais nous défendons aussi ce qui nous lie sur un même continent, au service des mêmes valeurs. Vous saurez trouver la France à vos côtés aujourd'hui comme demain. Et je veux vous remercier une nouvelle fois d'être à Paris aujourd'hui, avec notre soutien pour aujourd'hui, demain et aussi longtemps que nécessaire. Emmanuel Macron ce soir à l'Élysée aux côtés de Volodymyr Zelensky. Un insecte. Avec Hervé Matériaux. Mais oui, c'est que du bonheur avec mon petit Hervé. Hervé Matériaux, valet de Titiolo. Iaurana, 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 tātou pa atua mai va. E manawai wharere i rai te inei, te imena i ruto i te tātou nei, whanora no te mau, hutu tāre rora. Welcome! Le rendez-vous avec Tahiti Cadeau, ce n'est pas la finale de CQDJ qui s'est faite hier. Ravi de vous retrouver en radio, tout comme en Facebook Live. On va passer 45 minutes, un petit peu plus, ensemble jusqu'à 11h avec une grande question. Qui seront les futurs gagnants de nos jeux Tahiti Cadeau, Polynésie la première? Peut-être toi qui nous regardes, peut-être toi qui nous écoutes. Réponse avant 11h. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on aura presque 3 millions de cadeaux à vous faire gagner. Hein. Donc on est exactement sur une valeur totale des lots. Hinatea, est-ce qu'on a une valeur? On est presque à 3 millions. Hein. Oui, c'est ça. 2 969 000 et 4 francs. Ah, ça, c'est le cumul de tous les lots qui vont être gagnés, hein, remportés par toi, comme disait Pascal, peut-être. Si tu as envoyé en tout cas ton SMS, si tu as joué à l'un des jeux. On présente nos invités d'aujourd'hui. Oui. On a tout d'abord donc Hinatea qui est avec nous. Qui Rana, les amis. Tahiti Cadeau, hein, le partenaire. Salutations à notre copain Anthony. Oui, coucou Anthony. Il est branché. Il négocie les futurs cadeaux qu'on va avoir le plaisir d'offrir. Si c'est tu peux ça. Passer au duty free pour ma commande avant de revenir, s'il te plaît. On a également Kevin Ivea. Bonjour Mikey, Polynésie première. Bonjour Pascal, première Polynésie. Et à Kevin en cache un autre, Kevin de chez Cybertech. Qui en a, Kevin? Bonjour tout le monde, bonjour l'équipe. T'as un super prénom. Toi aussi, ouais, je pense, c'est une bonne connotation, Kevin. Ouais. Tu vas aller loin dans la vie. Bon, ça va, les Kevin, ça suffit. Hein. Ouais. Kevin in the kitchen. C'est un banquet, Kevin. Bienvenue à toutes et à tous en radio, en Facebook Live également. Vous êtes très nombreux. On va vous présenter tout de suite les cadeaux qu'il y aura à gagner ce matin. Hinatea, est-ce que tu peux nous présenter les cadeaux qu'il y a à gagner là aujourd'hui? Pour aujourd'hui, nous avons 4 cadeaux à gagner. Il y avait le pack Saint-Valentin. Spécialement établi sur une seule journée, la journée du 14 février, comprenant 2 iPhone et 2 JBL couleur rose et bleu pour nos amoureux.
Ensuite, nous avons un magnifique séjour à Las Vegas pour deux personnes pour assister au concert des Rolling Stones. Puis nous avons un spectaculaire pack informatique de chez Cybertech. Et pour finir, le Mega Pack Apple édition 2024. Waouh! Si vous avez joué à un de ces jeux, il vous faut absolument avoir un téléphone bien chargé, d'avoir un téléphone à portée de réseau et surtout d'avoir la réactivité de décrocher avant les 5 sonneries. Hein. On est passé de 3 à 5 sonneries depuis quelques mois pour vous vraiment vous laisser la chance de pouvoir décrocher et de savourer ce moment. Évidemment qu'on vous attend avec votre joie et votre bonne humeur. Vraiment, il faut crier, vous gagnez quelque chose. Donc on veut entendre ce côté positif. Que du bonheur. Alors, le cadeau le moins cher, oui, c'est ça, le moins cher, hein. Valeur du cadeau le moins cher qu'on va gagner, 352 960 francs. C'est le moins cher. C'est le moins cher. Voilà, après, on va monter au niveau des prix. Donc, quel est le mot-clé qu'il fallait envoyer, Hinatea? Il fallait envoyer 4 lettres. Il fallait envoyer Love par SMS. Un jour, un cadeau, c'était le jeu Saint-Valentin. Ou Saint-Valentin pour certains. Oui, ben là, ça sera peut-être avec deux téléphones. Deux iPhones. Et ça risque d'attirer, du coup. Ce qui est bien, c'était que c'était pour la Saint-Valentin, justement. Et puis que comme c'était à cheval avec la nouvelle année chinoise, du coup, on peut souhaiter un cuni fachoy à tout le monde. À toutes les dames, alors. Je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai pas vu venir. Alors, moi, moi, j'arrive avec ma chanson. Et lui, avec son cuny fachoy. Bon, ben voilà, c'est fait. Donc, ça, c'était Kevin. Ouais, chez IBA. Chez IBA. Chez IBA. C'était la première vanne de Kevin. De chez IBA. De chez IBA. Une excellente année à tous. Oui. C'est une étoile là. Kevin Fachoy. Bon, ben voilà. Ah bon, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu venir. Je pas au début. Je me tiens au début. Il est calme. C'est vrai qu'Anthony n'est pas là. Donc, quand le chat n'est pas là, les Kevin dansent. Enfin, le soleil Kevin est revenu. Hein. Le soleil est revenu. Voilà. C'est on bon. Est de bonne humeur, mais dans un instant, on va s'installer dans ce studio. Une grosse pression, une grosse suspense. Avec forcément oui. Quelqu'un d'heureux et d'autres de déçus. Eh bien, c'est parti. Allez, on arrête le suspense. C'est parti, on appelle en direct. Hein. Donc, on va entendre les sonneries. Il y a 5 sonneries maximum. Vous avez donc largement le temps de répondre et vous avez été prévenu par SMS. Ah là, ça calme. Hein. La tension s'installe. Si vous nous suivez en Facebook Live, coucou. Première sonnerie. Deuxième sonnerie. Troisième. Oh, hey, faut répondre. Ça sent pas bon. Quatrième. Oh là là là. Bienvenue sur le micro. C'est carrément c'est dommage. Répondu. C'est dommage. Donc là, on rappelle pas. C'est... Non. Ah oui. C'est non. Pas non. Ah oui. Non. C'est bon. On d'accord. Pas. C'est-à-dire que ben, la personne qui n'a pas répondu vient de louper un cadeau à 350 000 francs. Tiens, le moins cher. Le moins cher. Oui, c'est ça. Il fallait juste répondre. Hein. Voilà. Eh ben on passe au deuxième de la liste. Hein. On rappelle que le maître, l'huissier, a fait un tirage avec 10 numéros. On espère. C'est ça, une présélection de 10 numéros. Mmh. On y va, deuxième numéro de la liste, tiré au sort. Première sonnerie. Love. Yorana, oui, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. C'est les impôts. Les impôts? Oui. Je t'appelle pour ton impôt foncier de cette année. Ah bon? Oui. C'est pas en novembre? Ben, en fait, comme on a réévalué la taxe foncière. Ah. Combien est-ce que tu payais tes impôts? Ben, quoi, 18 000? Oui, c'est ça. En fait, après l'évaluation, en fait, on t'a fait payer trop cher. Du coup, on doit te rembourser la différence. Ah bon? Et c'est quoi la différence? Ben, en fait, normalement, on est sur une taxe à 12 500 francs. Ah? Oui. Bon, par contre, pour arriver dans ces critères-là, il faut que tu retires des éléments de ta maison.
pour payer moins cher. Tu as quoi comme maison? C'est un F4, F5, F3? 3. F3? Ouais. Deux chambres? Non, 3. Donc F4 alors. Ouais. C'est F4, ok. Est-ce que toutes les chambres de la maison sont occupées? Non, plus maintenant, mes enfants sont partis à droite, à gauche. Ça. Donc, il y a des chambres de libre. Ouais. Okay. Parce que du coup, sinon, on te fait payer les chambres inoccupées pour rien. Ah bon? Ah ben oui. Ah, c'est nouveau, ça. Parce que la taxe est évaluée en fonction de la grandeur de la maison et puis du nombre d'occupants. D'accord. Voilà. Si tu voudrais bien payer moins cher quand même. Bah ouais, ça va, c'est bien, ouais, comme ça. Bon, à moins que 18 000, ça te va. Ouais, pour l'instant, oui, ça va. Bon, écoute, moi, ça m'arrange, comme ça, du coup, la différence, je prends pour moi. Comme ça, normalement, c'est 12 500. Après, si tu veux continuer à payer 18 000, on peut, hein. C'est quoi la différence pour vous? C'est qui, vous? C'est les impôts. Ah, les, la DICP. Ah. Voilà. Donc, alors, rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Dorina. Dorina. Oui. Dorina. Dorina comme dauphin. Ou comme do, cheval. La note do. Ah do. Rémi Fasol. Voilà. Do. Harry. Harry. Ah do, la note ri. Harry comme le Raiti. Voilà un okay. peu sans le Z voyez. Ah ok. Ena. Comment tu écris Ena? Comme Nana. Comme Nana. Okay. Nana, ok. Nana, au revoir. Ou Nana, bah, femme ouais. Nana, au revoir, c'est mieux. Ah, ok. Nana, au revoir. Bon, je note que tu t'appelles Dorina, au revoir. Okay. Non, pas au revoir. Ah, comment alors? Nana. Dorina, ah oui, Dorina, Nana. Dorina, Nana, Nana, Nana. C'est sûr que c'est les impôts, ça? Eh ben oui, la DICP. Ah. Okay. Écoute, je vais, ben, ça y est, j'ai validé ton dossier. Je te passe mon chef de service. D'accord, ouais. Okay. Il va faire le call sign. C'est quoi ça? C'est-à-dire, c'est le tu as la, au lieu de signer le papier, tu signes par téléphone. Il y a le e-sign, tu signes électroniquement. Il y a le call sign, tu signes par téléphone. Et c'est pas dangereux, ça? Non, c'est pas dangereux. Ben, tu risques rien. Par téléphone, c'est un peu trop facile, non? Tu signes par téléphone. Ouais. Ouais. Okay. Tu peux juste noter la référence de ton dossier, s'il te plaît. Tu as de quoi noter. Oui. Ok. Alors. Alors, toi, c'est DO. Ah, bah oui. 352. 960. 352, 960. C'est quoi ça? C'est ton numéro de dossier. Ah bon? Tu donneras à mon chef de service, ok? D'accord. Ne quitte pas, merci. De rien. Tenia autorité pour DICP, non pour initier Frani. Tenia ton imato ya auto, ya tia imate meti. Allô? Allô? Dorino? Oui. Dorino? Non, pas Dorino, Dorina. Dorinu? Na, na. Na, na, na. Non, non, ne raccrochez pas. Dorinu, non. C'est comment? C'est Dori. Na. Na, ok, très bien. C'est le service des call signs. On doit faire une vérification ensemble. Il vous a expliqué, mon collègue, le call sign? Ouais. Ok, bon, c'est comme une lettre commandée qu'on peut faire électroniquement. Maintenant, on peut valider un dossier. Vous avez votre numéro de dossier, s'il vous plaît, Dorino? Na. Oui, non. Na. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé? Parce que là, c'est douteux, là, votre impôt, il n'est pas sérieux. Le collègue que vous avez vu juste avant n'est pas sérieux? Ben, je sais pas. Alors, je vais passer une réclamation. Alors, je vais vous passer le service réclamation. C'est important ce que vous me dites là, parce qu'on a déjà rencontré des problèmes avec lui. Je vais vous passer le service réclamation qui va vite prendre... Alors, je note votre dossier quand même, c'est le DO, quoi, alors. Il vous a donné un chiffre. 35. 35. 29, 60. Ah, ok. Nous, on lit en 3, en fait. Ça fait 352, 960. Ouais.
Ok, call sign. Alors, dès que je dis call sign, je vais quand même enregistrer avant de vous passer mon collègue. Dès que je dis call sign, vous dites DO 352 960 Piti Nuniu. C'est quoi, quoi? Piti Nuniu. C'est quoi l'affaire? Piti Nuniu. Piti Nuniu? Piti Nuniu. Alors, dès que je fais call sign, vous dites DO 352 960 Piti Nuniu. D'accord. Attention, on fait un test. Call sign. DO 352-960 Piti Nuniu. Pour confirmer votre signature, veuillez répéter votre numéro de dossier. DO 352-960 Piti Nuniu. Nous n'avons pas bien compris. Veuillez articuler, s'il vous plaît. Veuillez répéter votre numéro de dossier. J'ai l'impression de reconnaître tes voix, mais c'est pas grave. DO. Je t'ai dit de répéter ton numéro de dossier. DO. Pas besoin de crier, je suis pas sourd. Je crie pas. Voilà, j'entends rigoler derrière, c'est pas sérieux là. Non, t'es sûr que c'est pas sérieux? Quoi ces impôts là? Ah, c'est ça! Dorina, ne raccroche pas. Ne raccroche pas, Dorina. Quand on appelle, même si on va pas à l'essentiel dès le début, ça c'est clair, on appelle toujours pour une bonne nouvelle. Est-ce que tu sais qui t'appelle? C'est pas les impôts. Non. Okay. Mais je reconnais ces deux voix là. Ah bon? Mikey et Pascal. Oui. Wow. Merci pour l'accueil. Alors. Est-ce que tu reconnais cette voix-là? Oui, bonjour. Non. Est-ce que tu reconnais cette voix-là? Hello. Et celle-ci? Yorana. Non. Alors, c'est la troisième, celle-ci? Yorana. Il va falloir t'habituer parce que tu vas l'avoir au téléphone quand? Demain, après-demain ou... Demain, sûrement. Demain, sûrement. Mmh. Voilà. Dorina, est-ce que tu as passé une bonne Saint-Valentin? Ouais, si on veut. Ah. Tu vas pas nous dire que tu t'es fait dorer le jour de la Saint-Valentin quand même. Non, mais c'est que mon monsieur il était occupé. Ah mais il faut refaire la Saint-Valentin alors. Ça va prendre un but. Dorina, tu es sur Tahiti? Non, je suis au Maquis. Ah, il est déjà presque 11h là-bas. C'est pour ça le génie qui est pas bon, 8h11, enfin, il faut faire un spécial pour les 8h30. 8h30, 11h30, c'est que du bonheur. Et pour les gambiers, pareil alors. Ah, c'est ça, exactement. On ferait 9h midi, c'est que du bonheur, on s'en sort plus. Dorina, qu'est-ce qu'il faisait ton mari le jour de la Saint-Valentin pour qu'il ne soit pas avec toi? Bah, il travaille à EDT. À Tahiti ou au Marquise? Au Marquise. Au Marquise, d'accord. Il était sur courant alternatif. Est-ce que le courant passe bien entre vous deux? Ouais. Oui, ça va. Ça va. Des pertes de tension, on dirait. Des pertes de tension. Bah non. Tu veux quand te fous un peu de 220 volts. On peut peut-être remotiver tout ça, du coup. Oui, ça peut redonner du piment, voilà. Ça. Oui. Est-ce que tu veux changer de mari? Non. Ça va, ça te plaît quand même? Ah ouais? Je le garde. Ah oui. On sait ce Est-ce qu'on que perd, tu veux rajouter? Rajouter quoi? Ben ma mari. Bah non. Dorina, est-ce que ton téléphone est un peu cadavre, un peu? Non, ça va. Non, ça va. Ça va. Tu as quoi comme téléphone? Un Samsung. Mauvaise idée. C'était pas la bonne réponse attendue, c'est dommage. Tu peux me rappeler ton numéro de dossier, s'il te plaît? Ah, tu peux pas lui payer un autre téléphone, qu'elle dit? Non, moi non. Ça, oui. Dorina, t'as qu'à envoyer un SMS là quand il y a des jeux, quand il y a des iPhones à gagner. Hein. C'est ce que j'ai fait, mais je gagne jamais. Ben oui, mais pourquoi tu continues à jouer? Bah, parce que c'est ça que je veux gagner. Quand la dernière fois que t'as joué? Je sais pas, ce mois-ci ou le mois dernier. Il y a deux jours, non? Dorina, tu as pas joué il y a deux jours? Je sais que j'ai joué il y a les derniers jours, je sais pas trop quoi. Oui, un jour, un cadeau. Je crois, oui. Voilà. Maintenant, Dorina, est-ce que tu as toujours la référence du dossier qu'on t'a donné? Oui. Voilà. Maintenant, tu vas rajouter francs après les chiffres. On t'écoute. Ça fait combien? DO
Le haut, 352 960 francs. F. Alors, ça fait combien? Ça fait combien le montant total? 352 960. Oui. C'est le prix du cadeau que tu viens de gagner. Bravo, ouais. Dorina. Félicitations. Un jour. T'as gagné un voyage à Hélé Hélé Toué. C'était le jeu de Saint-Valentin. Hélé Hélé, dans les deux fonds. Il n'y a pas d'avion du tout pour aller là-bas. Non, Dorina, tu as remporté du coup le jeu spécial Saint-Valentin, un pack combo de chez IBA d'une valeur de 352 960 francs composé de deux iPhone 15 128 Go et de deux enceintes JBL Charge 5. Waouh. Jamais la chance, elle disait. Hein. Eh oui. Tu gagnes deux iPhones, donc il y aura un pour toi, un pour le monsieur ou pour qui tu veux, tu donnes pour qui tu veux. Oui, d'accord. C'est ça. Ok. D'accord. Ok. Maintenant, pour confirmer ce cadeau, il faut que tu nous fasses ta plus belle déclaration d'amour à ton monsieur. Ok, tu es prête? Ok, alors. 1, 2, 3. Je t'aime, mon chéri. Oui, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Ah, il faut chanter. Eh ben oui. Nous serons bien ensemble. J'attendrai. Longtemps. Ah non, j'ai pas attendre. Bravo Dorina. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Félicitations, bravo. Félicitations Dorina. Du coup, je vais te rappeler sûrement demain pour t'expliquer comment faire pour récupérer ton cadeau. D'accord. Mmh. Ok. Gros bisous Dorina. Ben voilà, regarde, tu vois. Merci à vous aussi, bisous. Tu as fini par gagner. Ouais. Hein? Ben oui, hein? Merci, merci. Et tu es toute émue? Pleure un peu, pleure, pleure. Ah non. Ah, voilà. Non, je le prends, l'iPhone. Non, plaisante. On te fait de gros bisous, Dorina. Bisous, bisous, Dorina. Bon week-end. Et on te rappelle là, hein? La tienne te rappelle là. D'accord. Nana. 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 On a quand même passé 20 minutes pour un seul tirage. Merci Kevin est venu, merci Kevin est venu. On va s'arrêter là. C'est, les impôts, c'est toujours long. Ah oui, c'est très long. On passe sur le prochain cadeau, coup de cœur. On va faire gagner le voyage, c'est ça? C'est bien ça, un voyage à Las Vegas pour deux personnes pour assister au concert des Rolling Stones. Oh là là, et les Rolling Stones qui vont jouer au Stadium, Allegiant Stadium, où s'est tenu le Super Bowl le week-end dernier. Donc magnifique stade du côté de Las Vegas. Rolling Stones quand même quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut caler un petit morceau des Rolling Stones pendant qu'on call le gagnant s'il te plaît? Voilà, un petit Satisfaction, un Star. C'est parti, un appel. Go. Kevin a commandé. Ça va aller, merci beaucoup. Yo Nana, bonjour. Allô? Oui. Oui, on te dérange? C'est qui? Et toi, c'est qui toi? C'est Mriama. Ah, ben oui, moi c'est Monsieur Elvis. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! How I wish that there were more. Mriama? Oui. Tu viens de te réveiller de ta sieste? Pourquoi? Parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oh. Pour le deux concerts achetés, le troisième offert. Et non. Ça t'intéresse pas? Non. Ok. Et des tomates? Non aussi. Billets d'avion? Non aussi. Ah. Rolling Stone? Ou Stone to go? Rolling. Rolling. Ouais. Tu connais les Rolling Stones? Non, tu connais pas? Écoute. I can't get no. Non, tu connais pas? Non. Et Las Vegas, tu connais? Non, si. Tu connais pas? J'ai jamais été là-bas. T'as jamais été là-bas? Tu aimerais bien aller un jour? Non. Non, ça t'intéresse pas? On va la laisser, on va raccrocher. Mriama? Oui. Est-ce que tu joues au jeu SMS? Non. Je sais pas comment il faut jouer ce truc-là. Est-ce qu'on t'a volé ton téléphone dernièrement? Est-ce que c'est le bon numéro qu'on a appelé? On va quand même vérifier. Oui, c'est ça, ouais. C'est pas qu'on veuille pas te parler, Mriama, mais nous on s'attendait à... Ah oui, j'adore les Rolling Stones, oh oui, Las Vegas.
Attends, on vérifie simplement. Hein. À moins que tu préfères les coussins. Oui, c'est ça, ouais. Auquel cas, on peut. On les change. On peut dealer. Des coussins. Oh, là, les deux Kevin sont d'accord. Ouais. C'est le bon numéro, nous dit-on. Ouais. Bon. Est-ce que tu as envoyé un SMS à Inatea? Quand est-ce qu'elle a envoyé son SMS? Le 9 février. 9 février. À 22h07. Ça a dit vendredi dernier. Voilà, à 22h. Tu ne dors pas à 22h? Ah, c'est ça, le mot, toi. Les enfants, ils ont toujours. Ils ont touché pas ton téléphone? Myriam? C'est balé ou quoi? Écoute. Allô? Myriam! Quoi qu'il en soit, on est d'accord, c'est validé. Hein. Oui, oui, c'est validé. Myriam! Non, Myriam! Non, elle est. Oui, à moins que c'est un problème de notre téléphone. Myriam, c'est Polynésie Première qui t'appelle. Est-ce que tu es là? On va essayer de rappeler. Je crois que peut-être notre téléphone, il. Alors, si jamais il y a des iPhones chez IVA. On va la facture à IVA pour le spot publicitaire. Allez, on la rappelle. On va essayer de comprendre. Je suis le fils de Myriam. Marotea qui essaye de se placer. Non, non, on a regardé l'arbre généalogique, t'es pas dans la famille. Du coup, elle veut plus les bandes. Sur le Facebook Live, il y en a plein qui disent si toi, ça t'intéresse pas, moi, ça m'intéresse. Hein. Bah oui, Rolling Stone quand même. Las Vegas. Las Vegas, ouais, ouais. Las Vegas. Ah oui. Ouais, on était sur un séjour, du coup, de 3 nuits. Ouais. Holding Hotel et Casino. Répondeur. Ben enfin, Myriam. Tu veux pas le voyage à Las Vegas? On est souvent en train de gronder les moutons. Qui a joué à mon téléphone? Non, c'est ça. Mais du coup, voilà, elle a répondu et c'est validé. Bravo. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Ah, oui, félicitations. Félicitations à Myriam. Bon, l'avantage, c'est qu'on vient de gagner du temps un peu quand même. La suite. Merci pour l'enthousiasme. Franchement, ne change rien. On continue dans cette voie-là. C'est tellement ça. Prochain jeu, cette fois-ci, on accueille Kevin de chez Cimetech. Bonjour tout le monde. Ça va, Kevin? Très bien. On est bien ici, hein? Ah oui, pas mal. Bon, super ambiance. Cybertech, c'est pas mal, il y a la clim. Chez nous, il y a un ventilateur. Vous ne vendez pas les ventilateurs, non? Non, peut-être connecté. Là, est-ce qu'il y a des clims Apple? Ça, c'est dans un frigo, si jamais. Un petit mot sur Cybertech? Ouais, ben Cybertech, c'est une nouvelle boutique informatique. Donc, très content d'avoir sponsorisé le jeu avec Tahiti Cadeau et Polynésie la Première. Voilà, donc tout ce qui est dans l'univers informatique. En général, gamer, bureautique, tout comme ça, des écrans, des envies, quoi que ce soit, ben passez-nous. Hein. Voilà. Parfait, on salue les collègues. Tout à fait, les collègues qui sont sûrement en train de m'écouter. Ouais. Donc voilà, spammez pas les MP, je peux pas regarder. Voilà, c'est ça. Tous avec moi, suivez-moi. Tous les cadeaux qui composent le package sont disponibles. Ah oui, ben ils attendent que le gagnant. Hein. Voilà, j'espère que le prochain gagnant qui va gagner celui-là, ça sera un peu plus motivé. Tu nous donnes un petit peu le détail. Oui, ben, au niveau du détail de la machine, ben, c'est une machine de guerre, comme on peut le dire. Voilà, c'est une sacrée machine de guerre unique à Tahiti. Voilà, et pas même de l'ordinateur. Voilà, de l'unité centrale qui est en forme de chaussure. Voilà, au niveau des composants, ben, c'est du gros matos. C'est pas sur de la camelote. Non, on est vraiment sur une super machine. Quoi. En plus, la machine elle vient avec tout le complet. Donc, non seulement l'unité centrale, écran, clavier, souris, le fauteuil gamer. Voilà, et c'est que du haut de gamme. Des machines de compétition, c'est-à-dire que vraiment pour les gamers, il y a. C'est vraiment pour des gamers. Ouais. Alors, au niveau de la machine, on est sur un i9, donc le plus gros processeur de chez Intel. Refroidissement à air liquide. Oui, tout à fait. Ah, voilà, oui, donc refroidissement à water cooling, à eau. Oui. Donc refroidissement à eau, avec des RGB, 64 Go de stockage. Dans le système qui refroidira le processeur, c'est de l'eau qui passe. C'est pas juste de l'air qui va souffler dessus pour le refroidir. Voilà, tu as un liquide qui va passer dans un radiateur refroidi, qui refroidit Moteur. Exactement. Donc c'est une machine qui sera silencieuse, rapide, performante et puissante. C'est tout. Oui, on a le même processeur avec mon corps, mais bon, c'est un autre liquide pour le refroidir. Voilà, donc le gagnant, il aura un sacré cadeau. En plus, encore une fois, unique à Tahiti. En métropole, c'était difficile de l'avoir, donc on a pu en avoir une pièce pour chez nous. Et voilà, même sur le site du constructeur qui le fait pour une seule pièce, c'est
complètement difficile d'en avoir. Quoi, hein. Le design donc, est voilà. incroyable. Hein, oui, c'est en forme de chaussure. Ouais. Voilà, ils ont réussi à caser tous les composants à l'intérieur. Les voilà. Z, ça s'illumine, c'est design. Oui, il y a de la lumière, bien sûr. Hein, bien sûr. Qui dit gaming, dit RGB, voilà, ça donne plus 10 en aura. Donc au niveau des skills, voilà, tu t'es mieux. C'est ce qu'on dit. Voilà. Mais sinon, au niveau de l'écran aussi, tous les composants qui comprend dans le pack, l'écran aussi est pas mal. C'est un écran OLED. Donc, le meilleur écran au monde en ce qui est de l'affichage, c'est de l'OLED. Voilà. Donc au niveau de l'écran aussi, c'est pas mal. Et tout ce qui va suivre, c'est... On est sur des claviers, sur des périphériques en Asus, en Razer, voilà, c'est vraiment que du haut de gamme. Micro-casque. En fait, il ne manque plus que la connexion Internet sans latence. La connexion Internet et la personne qui va se mettre derrière le clavier, qui va pouvoir profiter du matériel. Voilà. On nous demande en commentaire, c'est une machine de quoi? C'est une machine à laver? Il fait le linge aussi? C'est un ordinateur, voilà, c'est un ordinateur. Voilà, on va être précis, c'est un ordinateur, mais c'est un ordinateur c'est design, de compétition, quoi. Voilà. Ça ne servira pas que au jeu, c'est aussi pour pouvoir travailler pour les architectes, les 3D, tout ce qui est calcul, voilà, calcul 3D, tout ça, ça peut aussi servir pour ça. Quoi. Montant de voilà. ce pack le montant du pack est de 1 188 490 francs. Ça calme. Hein. Voilà. Magnifique cadeau. On a l'unité centrale, l'écran, les périphériques et le fauteuil qui va avec. Donc vraiment tout complet. Et Nathéa, quel était le mot-clé qu'il fallait envoyer? Il fallait envoyer cyber. Par SMS. Par SMS. Sur les deux numéros, hein, 7933 et 7910. J'espère qu'ils trouveront chaussures à leurs pieds. Tu veux Kevin à dire j'ai envoyé 6 bières. Non, c'est 6 bières. 6 bières. Okay. 6 bières pour gagner un pack de 6 bières. Eh bien, c'est parti, on appelle. C'est les bras. On y va. 5 Il faut répondre, les gamins. Hein, il faut répondre. Ou pas. Allez, allez. Première sonnerie. Allez, on décroche. C'est les impôts, c'est la CPS. Faut toujours décrocher. Après avoir laissé votre message, vous pouvez le modifier. Non, c'est bel et bien le répondeur. J'ai cru sur le fil. Désolé, tombé. Oh là 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 là, quand cette personne va voir comme l'autre, l'appel en absence. Ouais. C'était en 89 et la personne avait envoyé 2 SMS. Oh, c'est dommage. 2, ça veut dire vraiment qu'on le veut ce cadeau, quoi. Mais pourquoi ça n'a plus clair. Après, c'est sûr que quand tu vois les publicités comme ça incarnées par Mikey, ça donne envie de jouer. Mais c'est surtout les jeux pour gagner l'animateur. Il se trompe, non, il s'en fait bien lire. Et puis ça serait pas 1 million et quelques, ce serait 150, le SMIC. On poursuit avec le deuxième numéro. Oui, c'est parti. C'est ça. Là là. C'est un 87. Et là, on retourne aux marquises. Gayama. Ouais, je suis pas gamer, moi j'aime pas les ordinateurs. Deux. Trois. Ben enfin. C'est fou. Allô. Allô. Oui, Yorana. Oui, Yorana. Ça va? Ouais, cool. T'es prêt pour la Corée? La Corée. Un, deux, trois. Tous avec moi, suivez mes pas. Tous avec moi, suivez mes bras. Roulotte, deux roulottes, inversées, cascade, arc-en-ciel, casquette, one, two, casquette. Attention pour les essuie-glaces, qui? One, two, three, c'est moulinette, c'est moulinette, c'est qui? One, two, three, c'est moulinette, c'est moulinette, c'est moulinette, c'est moulinette. Bon, comment tu t'appelles? Moi, c'est Reihou. Reihou. Oui, frère. Je sais qui c'est. On annule alors. On annule. C'est on un habitué. Ah ouais? Reihou. Yes. Tu joues beaucoup aux jeux SMS?
Ah oui, beaucoup. Alors, c'est dis-nous les jeux que tu as joués, qu'est-ce que tu voulais gagner? J'avais joué le jeu de Cybertech. Ah, ok, ça c'est fini. Ah. Ensuite, code. Mais non. J'avais joué des jeux de voiture aussi, mais je pense que c'est déjà fini. Non, il reste une. La Qashqai, c'est la semaine prochaine. La Qashqai dans le trophée du sport. Ah. Est-ce que tu avais joué pour l'autocollant? Quand même. L'autocollant Polynésie première, t'avais joué? T'avais envoyé l'autocollant? En tout cas, on a une bonne nouvelle, tu gagnes une machine à laver Sagamax. Voilà, donc c'est une machine à laver qui fait le linge, donc qui lave le linge. Mais au max, qui étend aussi. Voilà, refroidissement hydraulique, processeur I9, tout ça. Ouais, et Réo, si tu reconnais la voix, t'as gagné. Si, t'as pas... si tu ne connais pas la voix, t'as pas gagné. Allez, go, c'est parti. Alors. T'es vraiment chanceux là, c'est ce coup là. Je vais pas te faire la pub de ce que t'as gagné, tu sais ce que t'as gagné. Donc, pour la petite histoire. Pour la petite histoire, alors Eho est un passionné de gaming. Enfin, c'est son cadeau en fait. Voilà, fallait que ça tombe sur lui. Et puis il travaille chez nous. Donc, en plus, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et en plus, c'est pas le premier numéro quoi. C'est le deuxième numéro. C'est pas le deuxième qu'on a contacté en fait. Le truc, c'est que t'es le même, t'es le plus chanceux. Voilà, c'est ça, exact. Juste comme ça, combien d'SMS t'as envoyé? 20 5. Ah, 5. Pour ce jeu, 5 SMS. 5 ou 6 fois. Et combien d'SMS t'as envoyé pour SMS? T'as pas envoyé, hein, comme si iPhone, t'as pas voulu gagner, hein, c'est ça? iPhone. Non, mais bien, hey. Ben, moi, je suis content que c'est toi qui ait gagné le cadeau. Je pense qu'au niveau du magasin, tout le monde te connaît. Voilà, donc je pense qu'ils sont tous en train de se dire ouf, c'est bon, c'est lui qui a gagné, c'est très bien. Voilà, en tout cas, t'as gagné un bon lot. Bravo, hein. Félicitations à toi, on ne peut que t'applaudir. Et bien, nous, ça nous fait plaisir d'autant plus que c'est un passionné qui gagne, tu vois. Voilà. Des fois, on fait gagner des voyages. Voilà. Le pack, il saura quoi en faire. Alors, moi, je veux bien l'écran. Voilà. Si tu n'as pas assez de place, moi, je veux bien l'écran. La chaussure, tu peux garder. Ça, c'est pas grave, mais je veux bien l'écran. Hein. La chaussure à 1 million. La petite chaussure. La petite chaussure. Je vais définir ma petite config là, puis celle-là, elle est justement, mignonne, tu vois, justement, t'as plus besoin de la chaussure, tu me l'envoies, je saurai quoi faire. Voilà. Et on a notre copain. Voilà, on a notre copain Kavira qui t'adresse les salutations. Yes, thanks, cool. Ah, Kevin. Oui, ben même Kavira, voilà. En fait, c'est un petit siècle de gamers et on se connaît un peu plus tous. Donc, félicitations. Au moins, on est sûr, Kevin, qu'il fera bon usage de ce beau cadeau. Exactement. Magnifique. Allez, Broder, félicitations. Ben, joyeux Noël. Félicitations. Je te rappelle ce week-end, Rio. Il ne peut pas répondre. Donc, quand est-ce la visée? Il ne peut pas répondre. Tu as répondu. C'est bien. Au moins, tu finis ton travail. Inatea va te rappeler, c'est ce qu'elle te disait. Je ne sais pas si tu as entendu. Elle te rappelle ce week-end, d'accord? Inatea. Voilà. Merci à vous. Mmh. Ouais, pas de soucis. Allez. Et on dit merci qui? Cybertech. Merci, c'est cadeau. Merci, c'est premier. On dit bravo. Félicitations. Nana. Et il nous reste un cadeau. Ah, c'est bien, parce que du coup, avec ce qu'on a eu avant, là, ça compte ça. Quand il a parlé, j'ai entendu la voix filer. Ouais, moi, c'est appris quand t'as dit Léo, là. Ah, ouais, ok, bah, c'est lui. Léo, oui. Ouais, Léo. Allez, Kevin, ça va? Oui, on dérange pas, là. Ça va? On va attendre pour le prochain, on a des choses à se dire, voilà. On peut changer de place si vous voulez. Alors, du coup, il y a quelqu'un de chez Cybertech qui a joué pour le pack Apple. Oui. Bien sûr. Tout ce qui est technologie, on est dessus. Voilà, oui, bien Kevin, sûr. Présente-nous ce pack Apple. C'est un pack Apple, merci beaucoup. félicitations à la personne, je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Si on a le temps. Bon, vas-y. Je vais le présenter, effectivement. Dedans, on a un portable qui s'appelle un MacBook Air. Hein. Ça va être excellent entrée de gamme chez Apple. Mais c'est quand même M2. Celui-là, c'est un M2. Mm-hmm. Vas-y, poursuis. Genre, j'ai l'impression que tu connais quand même. Bah, j'écoute du publicité. Non, du tout. Un iPhone 15 Pro Max, en fait, 256Go, titane naturel. La Watch Ultra également, des AirPods Max, une Apple TV, un pack de 4 AirTags, un iPad Pro 12.9 de 6e génération, le clavier plus le pencil qui va avec. Valeur totale du lot, 1 038 910 francs. Bon courage à tout le monde. C'est là-bas. Apple, c'est ce qu'il lui fallait envoyer. Un seul SMS suffit, hein. Comme tous les jeux.
première sonnerie. Allô, bonjour. Yorana. Ça va? Maïteiroa. Est-ce que tu sais qui est-ce qui est là? Faron est ou Maïkipa? Maïkipa. Comment tu t'appelles, Tati? Tati, Tati. Allô? Hiti. 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 Hiti, comme Hiti Amhan? Seria. Ah, ok. Hiti. Nini tu ou Yahweh, tu as gagné un cadeau. Ah. Ok. Ah. Tu as gagné le tout dernier aspirateur. Mais montre que tu es content. Allô? Oui. Tu as joué pour le jeu aspirateur. Ah bon? Ben aspirateur, oui. Quand t'as auto? Tu as envoyé aspirateur par SMS. Quand est-ce qu'elle a envoyé son SMS, Hinatea? Le 26 décembre. Ah ben oui, ça date le 26 décembre. Ah oui, tu voulais vraiment un joli aspirateur pour la Noël. Hein. Pour le vélo, moi. Est-ce que tu es content de ton cadeau? Oui. Ben oui. Combien de SMS elle a envoyé? Deux. Ben voilà, on peut s'y envoyer que deux SMS, tu repars avec un super aspirateur, ok? Ah, il y a ton vélo. Connecté. Ben c'est, ça coûte cher, ça coûte cher cet aspirateur. Alors c'est un... Yorana Hiti et Yaturu. Maite Eiroa. Ah. Kevin Teye. Yorana Kevin. Et Yaturu. Alors, comme Mikey le disait, hein, tu viens de gagner en fait un aspirateur connecté d'une valeur de 1 038 910 francs. Une arme est un aspirateur. Ah, bien sûr. Ça fait pas que aspirer. En tout cas, ça aspire pas que la poussière. Non, connecté au flexible. Ah, le mouvement, il est. Non, il est bizarre. Il est trompé. Il est aspiré. Il dit, ah, il est allé pas dehors. En fait, c'est un aspirateur qui te permet en gros de mettre des repères en fait dans ton salon, par exemple. C'est pour éviter que tu oublies de passer l'aspirateur à un endroit. Après, prouver ton aspirateur, on le vaisselle. Par contre, pour faire marcher cet aspirateur, Hiti, ouais. Il y a besoin d'accessoires. Et les accessoires, ils sont fournis avec. Hein. Ah, ok. Voilà. Dans les accessoires, tu as un petit ordinateur. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. C'est un Mac. Voilà, t'es obligé d'utiliser, en fait ça marche que sur les produits Apple, tu vois. Tu connais la marque Apple? Ouh, c'est elle qui a crié là. Je sais pas, c'est toi qui as crié? Oui, c'est moi qui a crié. Ah oui, 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 c'est moi, c'est toi qui a crié. Ah, parce que du coup on nous informe que finalement l'aspirateur il est en rupture. Ah mince. On va remplacer l'aspirateur par... On peut remplacer par quoi l'aspirateur? Vibro. Non. J'étais toujours dans l'électro. Kevin sort de ses corps. Kevin Hiver, je précise. Attendez, elle a dit quelque chose d'intéressant. Le méga pack. C'est trop bien, c'est le méga pack Apple. Bien sûr. Ah. Non, pas du tout. C'est bien pour l'enthousiasme, mais. Enfin, il y a des accessoires Apple à l'intérieur, effectivement. Ah, c'est trop bien, j'ai joué pour le Anaheim, j'ai pas gagné. Tu changes plus d'avis, tu vois. Il dit que c'est Tahiti. Allô? Ah, oui. Yeah, ouais, ça y est. Elle a compris. Ya, yeah, Marlon était. Tu habites sur Tahiti? Ça y est, elle est dans sa bouche. Oui, ou Ahiti? Non. Ah, c'est pas elle. Hiti, y a qui à côté de toi? Mes collègues de travail. Ah. Tout. Mais sur le haut-parleur, le téléphone. Yeah, hello. Assieds-toi bien. Ok, habite-toi là, enfin, voilà, la pause. Ok, écoute bien, Kevin va te citer tout ce que tu viens de gagner. Tu es prête? Alors, Hiti, tu remportes effectivement... Comme tu as pu le deviner, le méga pack Apple d'une valeur de 1 038 910 francs. Dans ce pack, il y a... Dans ce pack, il y a donc un MacBook Air, un iPhone 15 Pro Max. C'est pas fini. C'est pas fini. Une Apple Watch Ultra, 49 mm. Un casque Apple AirPods Max, hein.
C'est pas les écouteurs, c'est le casque, hein, c'est le grand modèle. Je sais pas c'est quoi, mais c'est déjà bien. Tu veux que je continue quand même parce que sinon. Oui. Une Apple TV. Apple TV, yes. Oui. Pour regarder les films. Pour regarder Netflix par exemple. Polynésie, la première bien sûr. Naya. Un pack de 4 AirTags. Un iPad Pro aussi avec son clavier et un stylet. Yeah, magnifique. Tu sais, c'est quoi les AirTags? AirTags, en fait, est-ce que tu attends ton année? Voilà, tu gardes ton année. Non, mais voilà. C'est pour te tracer ma voilà. Tu mets sur ton année, tu sais où il est. T'es déjà détentrice alors d'un AirTag. Hein. Bravo en tout cas. Félicitations. Félicitations. Merci pour et tous ceux qui travaillent là-bas. Ah bah super. Merci à toi. Je te rappelle très vite Hiti ce week-end normalement hein, pour t'expliquer merci comment récupérer ton cadeau. Merci beaucoup, bonne journée. Marulu. Félicitations. Bon On rappelle que c'est Inatea qui chaque semaine appelle les gagnants et ça se passe par téléphone. Il y a beaucoup d'arnaques en ce moment, on n'en a pas parlé dans cette émission, donc on rapidement vous en dire quelques mots. Vous ne recevrez pas d'SMS de la part de Tahiti Cadeau, vous ne recevrez pas de message via WhatsApp, non, uniquement au téléphone et c'est toi qui gères de toute façon Inatea. Oui, voilà, ce n'est que moi normalement que vous avez au téléphone. Et attention également aux pages Facebook, regardez le nombre de fans, il y a des vraies et des fausses pages Tahiti Cadeau. Il y a le live en ce moment sur les bonnes. Et vous y êtes. Otiloa, merci à nos invités. Marouane et Inatea, merci aux deux Kevin. Voilà, Kevin. D'être venus. Merci à vous. Merci à Nayeta Minoshima ainsi que Elvis Hitchner pour la réalisation de cette émission. Passez à toutes et à tous un bon week-end. On vous rappelle que vous avez toujours les jeux en cours, notamment la Nissan Qashqai. Si vous souhaitez gagner cette magnifique Nissan Qashqai, tirage au sort la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. En tout cas, le jeu est valable jusqu'à la semaine prochaine à l'occasion des trophées du sport. Pour gagner cette Nissan Qashqai, vous envoyez sport par SMS au 79-33. Je vous fais même la B en direct. À l'occasion des trophées du sport, envoie sport par SMS au 79-33 et tente de gagner ce magnifique Nissan Qashqai Ascenta. D'une valeur de 4 690 000 francs. Donc vous envoyez sport au 79-33. Il y avait les vidéos, c'était presque synchronisé avec. Bah loulou, bon week-end, prenez soin de vous. Nana. Nana. Nana, bientôt. Yorana, voici les offres du CEFI qui recherche technicien, technicienne logistique, service, expédition. Vous allez communiquer avec l'ensemble de partenaires pour le bon suivi des marchandises, manager les ressources et les moyens, élaborer et suivre un planning d'expédition. C'est un emploi sur Papeete et l'offre est le numéro 80 45 76. Toujours sur Papeete, recherche technicien d'entretien industriel. Vous êtes spécialisé dans la maintenance et la réparation d'équipements industriels. Vous avez de l'expérience souhaitée dans un poste similaire. Vous avez un bac pro, MEI ou un BTS en maintenance des systèmes. L'offre a le numéro 80 45 75. Sur Morea Teavaro, demande seconde de cuisine. Vous allez réaliser les plats de la carte, participer avec le chef exécutif à l'élaboration des menus et le remplacer lors de ses absences. L'offre a le numéro 80 45 74. Allez sur le site du CEFI ou appelez le 40 46 12 12. C'est que du bonheur avec Hervé Matériau. Mon petit Hervé passe à la radio. Hervé Matériau. Hervé Matériau, valet de Titioro. La première. Yorana, TF Ahumairato et Itehia Twitmov out à Canal Plus. Ya Ouawa Auto itmohu à Apia, Kolanta, Top Chef, Pékin Express et The Voice. Teye et Vainé irutmov out à Apia Canal Plus. Et Itei Motaime, notemot Tataur à Api TF out à Canal Plus. Et fan en Ouetmov an Hor Ain Yatu, noté Maurur à Eho et Ave, et Teatuit Ave et Horohiane. Ya fan en Auto, à Hairia Twitmov et Puvini et Aurirait Farirata. Whatever, notemot Amar Marmar à New. À
tous les 14 lovers. Plongez dans la magie de la Saint-Valentin avec les Seduction Days 14 du 12 au 17 février 2024. Rejoignez notre ambassadrice Onaku autour d'un petit déjeuner le samedi 17 février à 8h30 au showroom. Découvrez notre offre irrésistible sur le 14 T5 HIV hybride à 4 390 000 francs et profitez de la banque Socredo sur place. Célébrons ensemble la Saint-Valentin avec Onaku et le 14 T5 HIV hybride, passionnel, sensuel et belle. Elle saura vous séduire. 14, l'innovation et la séduction. Showroom 14 à l'angle de l'avenue Prince Inouï. Téléphone 40 50 26 26. Rideau Rouge présente Transmission avec Jean-Pierre Castaldi au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Tu veux gagner ta place? Reste à l'écoute de Polynésie la Première. Au top de l'animateur, appelle au 40 86 16 00 et tu assisteras au spectacle Transmission avec Jean-Pierre Castaldi au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. La Première. Votre mutuelle santé du Fénois vous offre l'heure. Touroura vous souhaite une bonne année du dragon. Tahiti Ménager et les produits Sagamax vous offrent l'heure sur Polynésie la Première. Merci d'écouter la Première, il est 11h. Voici le flash local de 11h présenté par Ibrahim Ahmed Azi. Bonjour. Bonjour Mikey, bonjour à tous. La nouvelle passerelle enfin mise en place à Fahiti dans la commune de Mahaena. Une passerelle qui était attendue depuis plusieurs mois par les habitants de la commune des deux rives. Pour rappel, l'ancien pont qui reliait les deux rives en question a cédé le 7 décembre dernier. Rahena Jarian était sur place, nous le retrouverons tout à l'heure en direct. Autre chantier en cours celui-là, le viaduc de la Punaru qui sera totalement fermé ce soir. Seul le rond-point situé en dessous sera partiellement praticable. Des travaux qui devenaient nécessaires, estime Jordi Chan, le ministre des Travaux. 31 milliards, c'est le montant du nouveau budget du centre hospitalier de